Vous m'avez déjà interrogé au sujet de cette mémoire. Eh bien, j'ai menti. Je vous ai dit qu'elle était perdue. Je craignais que l'on en tire une mauvaise leçon. Mais cet homme a eu de nombreuses vies. Et il a beaucoup à nous apprendre. Certes, quand il est venu nous trouver, il n'était rien de plus qu'un banal voleur. Il s'efforçait de survivre dans les rues de Bagdad, rêvant d'un avenir meilleur. Pas seulement pour lui, mais aussi pour tous les miséreux qu'il côtoyait. Car même s'il vivait durant un âge d'or, au cœur et au sommet du califat abbasside, il suffisait de gratter un peu pour qu'apparaisse la pourriture. L'ordre des anciens s'ingéniait à s'élever et à répandre ses méthodes cruelles à tout le pays. Ceux qu'on ne voit pas, comme on nous appelait alors, s'y opposaient. Frappant l'ennemi depuis les ombres. Une lutte éternelle. Il y a des siècles, il était au cœur de cette lutte.
Bassim ibn Ishaq. Il a honoré le credo, il l'a défié, comme nous devons le faire. Tous, nous courons le risque de confondre ténèbres où nous marchons et lumière que nous servons. Nous sommes susceptibles d'être mis à l'épreuve comme il le fut. Et je crains que ce moment approche. Doucement, Bassim. Respire. C'était le djinn encore? Et qu'est-ce qu'il nous voulait, notre ami, cette fois? Me décoller la chair des os. Me dévorer les entrailles. Il ne dit presque jamais rien, mais il laisse sa marque. Je le sens encore. Courir sur ma peau. Pas très original. Tu devrais le lui dire, d'ailleurs. Oublie le djinn pour l'instant. Le jour s'est levé et nous avons du travail. Derwish a laissé un autre contrat. Et pour qui? Encore eux. On gagnerait plus en vendant de l'eau à un dromadaire. Nihal, allons. Qu'est devenu ton sens du devoir? Le devoir ne nourrit pas son homme. Non, en effet. Mais il enrichit l'âme. Bon, je t'attends dehors.